C'est un cheval qui apprécie les pistes plates, donc ça me dérange pas de courir à Laval. Comment va-t-il actuellement? Bah, le cheval il paraît bien, après il fait une rentrée comme beaucoup d'autres dans cette course-là. Donc voilà, après ça sera une question de déroulement de course. Vous l'avez travaillé un peu plus durement ces derniers jours, vous avez déjà commencé à courir. Vous avez un peu de ligne déjà avec les chevaux du matin? Bah ouais, les chevaux ils ont près tous bien couru, donc on sait qu'on n'est pas à la ramasse, donc normalement ils devraient bien courir. Bon numéro hein, derrière les aides à la voiture, c'est important. Bah ouais, sur 2000 mètres, c'était mieux d'avoir un numéro assez en dedans. Donc avec le 4, on est bien garé. Maintenant, on est barré par quelques chevaux plus jeunes que lui. Mais bon, c'est pas une impossibilité pour finir dans le quintet. Le fait de partir à l'autostart, ça va l'aider? Normalement, ouais, il s'élance un petit peu mieux à la voiture. Faut un parcours comment après avec lui? Bon, on va essayer de le cacher et puis après, on verra comment ça se passe. On a bien compris, pour la victoire, c'est compliqué. Pour les places, faut pas l'oublier. 4-5e, il faut absolument le mettre sur un ticket? Ouais, normalement, faut pas l'oublier. Diana est toujours prise de vitesse dans ce genre de course, mais elle a aussi réussi sur le parcours quand elle était fière des cadres, quand elle a de la fraîcheur, elle est très compétitive. Dostoy, il risque de partir en deuxième ligne, c'est bien dommage parce que le cheval est parfait, il a bien travaillé, distance qui est tout à fait dans ses cordes, bien engagé, il va faire partir des 5.